Mais rappelez-vous aussi, l'an dernier, nous venions de vivre un drame atroce, l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty. Nous n'oublions pas. D'ailleurs, la ville de Montpellier non plus n'oublie pas, puisque demain sera inaugurée une plaque en sa mémoire dans une école de Montpellier. Mais malgré ce drame, je crois que le festival représente l'espoir. Tout comme hier, l'espoir a été représenté par l'accueil de cette famille d'Afghans en réfugiés après un parcours rocambolesque. Donc l'espoir, il est vraiment présent au festival à Montpellier, dans toute sa métropole. Bonsoir. Tu veux qu'on vienne là ? Non, ça va. On va faire court. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir une salle aussi pleine de jeunesse. Et ça me rappelle que Montpellier est une ville de cinéma et que la région Occitanie est une terre de cinéma. Voilà, donc ça fait chaud au cœur. Juste dire que c'est votre troisième long métrage. Ouais. Après Les Apaches et ouais. Une vie violente. Que les deux se déroulaient en Corse, ouais. Votre terre natale. Ouais. Que c'était avec des acteurs non professionnels. En partie, oui. En partie. Et que là, il y a un virage, parce que c'est... Un film français. Vrai. Ça, ça n'engage que lui. Adapté d'un livre d'entretien avec le journaliste Emmanuel Finstein de Libération et avec des acteurs hyper prestigieux. Oui, avec un casting, une grosse troupe avec des acteurs qui sont des vedettes, mais aussi une énorme troupe. Et d'ailleurs, on n'est que tous les deux avec Roxane qui distribue le film et moi, mais j'en profite pour rendre hommage à l'immense troupe d'actrices et d'acteurs que vous allez voir dans le film et à l'énorme travail et engagement qu'ils ont et à leur talent qu'ils ont mis dans le film pour restituer avec le plus de vérité, de vie et de liberté ce scandale d'État et le monde dans lequel ce scandale d'État arrive. Roxane, on peut peut-être dire quand le film va sortir ? Alors, le film va sortir dans longtemps, le 9 février, donc c'est vraiment une grande avant-première. Et je souligne vraiment notre immense joie à être ici. Merci beaucoup Géraldine et Christophe de nous avoir invités. Vous le savez peut-être que depuis la réouverture des cinémas au mois de mai, c'est quand même un peu difficile, surtout pour les films d'auteur. Donc c'est une joie de voir une salle pleine et aller au cinéma d'autres soirs qu'aujourd'hui. Il faut vraiment aller au cinéma, c'est important. On a tous besoin de vous pour le film de Thierry, mais pour tous les films. Merci d'être là.